Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo qui va nous parler aujourd'hui de tennis avec la sortie de Top Spin 2K25, voilà, tout récemment sur les consoles de génération PS5, Xbox Series, mais également sur les anciennes générations comme la PlayStation 4 ou encore la Xbox One. Donc ça fait quand même plaisir, surtout qu'on attendait un Top Spin depuis 2011. Rappelez-vous que Top Spin 4 était sorti sur la génération 360 PS3, donc ça ne nous rajeunit pas et franchement ça fait plaisir de retoucher à un Top Spin. Alors, c'est vrai qu'entre temps, il n'y a pas eu de gros jeux de tennis hein, depuis 2011. Il y a eu quelques jeux par-ci par-là, mais c'est vrai que jamais de hit en puissance comme l'ont été les anciens Top Spin ou encore même les Virtua Tennis de Sega, bon, qui étaient dans un autre registre très arcade mais tellement fun. On va en reparler tout de suite après. Alors, justement, vu que c'est une chaîne qui reste quand même rétro gaming, je vais en profiter pour faire dans la première partie de la vidéo un petit flashback de tous les jeux de tennis qui m'ont marqué depuis les années 90, notamment sur Super Nintendo avec Super Tennis, notamment tous les Virtua Tennis de Sega ou encore même la série des Smash Court, rappelez-vous. Donc voilà, donc première partie de la vidéo, un petit flashback des anciens jeux de tennis, et ensuite de la deuxième partie de la vidéo, on va découvrir ensemble du coup ce nouveau Top Spin qui j'espère va tenir toutes ses promesses. Allez, c'est parti. Et on va commencer tout de suite avec Super Tennis qui était sorti sur Super Nintendo en 1992 au lancement de la console en Europe, qui était développée par Tokyo Soichi et édité par Nintendo. Eh bien franchement, c'est l'un des jeux de tennis vraiment les plus anciens qui m'a vraiment le plus marqué, parce qu'il est doté d'une jouabilité mais toujours aussi plaisante encore aujourd'hui en 2024. Alors il y avait énormément de possibilités de jeu, on pouvait jouer tout seul, on pouvait jouer en double, on pouvait faire 1-7, 3-7, 5-7, on pouvait jouer donc du coup sur les trois surfaces principales, hein, donc du coup la terre battue, le gazon et le dur. Donc la balle pouvait aller plus vite sur le dur, évidemment. Franchement, des petits détails comme ça, pour l'époque, c'est énorme. On avait donc du coup les joueurs garçons et joueurs filles, fictifs, mais ils étaient inspirés de certains joueurs de l'époque comme Björn Borg, John McEnroe, etc. On pouvait reconnaître notamment dans le style. Mais alors vraiment, ce gameplay, mais regardez encore aujourd'hui, c'est génial. On a des lifts, on a des lobes, des smash, on peut monter à la volée. Les déplacements des joueurs, les petits joueurs comme ça, ça me fait penser à Anna Kournikova, Smash Court Tennis, qui était sorti sur PlayStation quelques années plus tard. Mais clairement, clairement, franchement, si vous avez une Super Nintendo, vous n'avez pas acheté ce jeu, regardez même les plongeons, quoi. Franchement, n'hésitez pas. En plus, il coûte pas très très cher. À tout péter, 5€ ou 10€. Et c'est vraiment des parties endiablées avec les potes. Alors évidemment, il n'y avait pas de multitap, tout ça. Hein. On pouvait jouer à deux contre l'ordinateur, mais en double, franchement, ça va être encore plus génial. Regardez, on a même les ramasseurs de balles, les arbitres, il y avait l'arbitre sur le terrain, on avait le public et tout. Franchement, pour un jeu de 92, il a vraiment très très bien vieilli, quoi. On avait aussi le mode circuit professionnel et tout. Alors, franchement, magnifique. Regardez, je vais finir ce point avec une bande. Voilà, excellent. Allez, on passe tout de suite au jeu suivant. Alors là, on va attaquer avec le jeu de tennis qui m'a le plus marqué de ma vie de gamer, c'est-à-dire Virtua Tennis 1, premier du nom, donc du coup qui était sorti sur Dreamcast, l'adaptation du coup de la bande d'arcade, qui était donc du coup développée par Hitmaker, édité par Sega. Et franchement, encore aujourd'hui, c'est le plaisir intense en termes surtout de jouabilité, de prise en main, voilà, ultra rapide. Graphiquement, quand il sort en 2000, fin 2000 chez nous, c'est la claque absolue. Je me rappelle encore comme c'était hier, mon pote me dit qu'il y avait la Dreamcast et moi je l'avais pas, la Dreamcast. Il me dit, j'ai un jeu de tennis, il faut que je te le montre. Moi, je n'avais pas connu la bande d'arcade Virtua Tennis. Il me montre ce jeu chez lui, on n'a pas décroché. On n'a pas décroché, c'est un truc de fou. On peut jouer donc du coup bah, en solo comme en double, évidemment, on peut jouer jusqu'à 4. Vu qu'on avait les 4 ports manettes en plus sur la Dreamcast. Mais il est monstrueux ce jeu, il est juste monstrueux. Alors, évidemment, c'est vraiment un jeu purement arcade. Écoutez le son, justement, le bruit de casserole quand on tape les balles. Mais alors, il faut avoir la manette en main pour vraiment comprendre le truc, tellement que c'est plaisant à jouer, quoi. Alors, on est
comme je disais, début 2000, c'est la génération des Cédric Pioline, etc. On n'a que des joueurs, c'est dommage, on n'a pas de joueuses. Et moi, il va rectifier le tir plus tard avec Virtua Tennis 2. On avait aussi, donc, du coup, un mode World Tour. On pouvait, donc, du coup, faire monter un joueur au 300e rang mondial jusqu'à numéro 1 mondial. C'est classique, comme tout bon jeu de tennis, vous allez me dire. Mais ouais, franchement, pour battre Virtua Tennis en termes de claque graphique, jouabilité, tout ça, va falloir faire fort parce que tous les jeux de tennis qui sont sortis par la suite, que ça soit même Top Spin 4, ce que vous voulez, en termes de claque, Virtua Tennis 1, c'est le numéro 1, clairement. Je vais vous laisser juste quelques petits extraits de jeu. Donc il y avait aussi toutes les surfaces à Wimbledon, US Open, ce que vous voulez. Mais vous voyez le plaisir de jeu. Puis alors, oui, les langues changeaient selon les pays et tout, il y avait des petits détails, il y avait des mini-jeux, on pouvait jouer au bowling et tout. Énorme. Si j'avais une Dreamcast, franchement, parce que là, c'est un pote qui me l'a prêté. Mais ouais, j'achèterais. Le premier jeu que j'achèterais, ce serait Virtua Tennis, juste après Soul Calibur, on va dire, sur Dreamcast. Allez, on passe tout de suite au jeu suivant. Virtua Tennis 3. Et oui, encore un Virtua Tennis. Alors là, pour le coup, c'est le Virtua Tennis 3 qui était sorti sur 360, PS3, PC et PSP, développé par Sumo Digital en 2007, adapté de l'arcade, du coup, qui a été développé par les studios AM3 de Sega. Alors là, pour le coup, ce Virtua Tennis 3, je l'avais eu sur 3.6. Et cette version 360 avait le mode online que la version PS3 n'avait pas. Et ça a tout changé, parce que c'est déjà ma première expérience deux jeux de tennis en ligne, et c'était fabuleux. Franchement, on s'est tapé des barres de rire avec JC, je me rappelle, on pouvait jouer en double. Et ça, c'était énorme à l'époque. Alors, on va se faire un petit Federer-Nadal, parce que c'est les grandes années du Fédal. À Melbourne, tiens, vas-y. À Melbourne, pour changer un petit peu. Alors, il n'y avait pas les licences officielles, mais on reconnaissait évidemment les grands chelems. On avait toujours le mode World Tour. Donc, moi, je vous avais dit qu'on pouvait jouer en ligne. Le mode World Tour, les mini-jeux avec les kits bowling et tout. Là-dessus, ça reste un grand classique des Virtua Tennis. Évidemment, on est toujours sur de l'arcade pure et dure avec des coups sortis de l'espace. Mais pour le coup, on a moins de bruit de casserole et tout. On a des meilleurs bruitages quand même. Graphiquement, il est très très beau pour l'époque. Rappelez-vous, on est en 2007 quand même. Et franchement, encore aujourd'hui, tiens, vraiment la route, regardez, hein, c'est très très beau. C'est vraiment net. Et regardez, hein, comme d'hab, toujours des coups très très arcade, tout ça. Mais ça ne me dérange pas parce que, en termes de fun et de plaisir de jeu, honnêtement, regardez-moi ce match. On a rarement vu ça, franchement. Alors, déjà, le premier, vous l'avez vu tout à l'heure sur Dreamcast, avait posé les bases. Il y avait eu le 2 qui était sorti quelques années plus tard, en 2002, sur PS2 notamment, et Dreamcast. Mais ce 3-là, franchement, c'est inoubliable. Il y avait eu le 2009 et le 4 qui sont sortis par la suite. Mais moi, honnêtement, ça sera le 3 qui restera vraiment dans ma mémoire. Voilà, allez, on va se finir ce petit point avec un dernier match. Ah, attendez, hop, attention. Avec le monté à la volée. Il y avait aussi les plongeons. Alors, vous, les plongeons, pour tous ceux qui font un petit peu de tennis, un plongeon sur du green set comme ça, c'est juste impossible. Voilà, allez, on va passer tout de suite à une autre série de jeux de tennis qui m'avait aussi marqué, c'était notamment les Smash Court. Allez, c'est parti. Et oui, la série des Smash Court Tennis développée par Namco. Alors là, il s'agit du deuxième opus, Anna Kournikova Smash Court Tennis, qui était sorti sur PlayStation en 99. Il y avait eu un opus précédent appelé juste Namco Smash Court Tennis. Donc là, il s'agit en fait d'un jeu type Super Tennis comme Super Nintendo avec des petits bonhommes de dessin animé. C'était agréable à jouer, je me rappelle, on pouvait jouer à 4 et tout avec le multitap. Même si, bon, l'intelligence artificielle en double n'était pas terrible, il fallait jouer avec. Voilà, avec des potes. Il y avait un mode aussi, un petit mode de tournoi, etc. Mais bon, c'était pas foufou. Mais cette série va devenir plus sérieuse, entre guillemets, avec son arrivée sur la PS2 sous le nom. Smash Court Tennis Pro Tournament 2. Voilà, donc j'ai choisi ce Smash Court Tennis Pro Tournament 2 parce que c'est tout simplement l'opus que j'ai le plus squatté de cette saga. Alors, pour rappel, il y avait eu le 1 et le 2 sur PS2. Bon, sans compter les deux opus sur PlayStation. Le 1 et le 2 sur PS2, le 3 sur 360 et PSP, et il y avait eu même un opus spécial Roland-Garros. Mais voilà, cette série, c'était un petit peu une alternative entre Virtua Tennis, qui était donc très arcade, et Top Spin, qui était très simulation. Top Spin 1, qui était sorti en 2003, ce jeu-là était sorti en 2004, donc début des années 2000. On avait pas mal de joueurs disponibles déjà à cette époque-là. On avait Andy Roddick, Richard Gasquet, Marat Safin. Côté joueuse, on avait Amélie Mauresmo, Justine Hénin,
Anna Kournikova qui était là aussi. Donc franchement, c'était pas mal. Un mode pro tour aussi. On pouvait aussi faire monter un joueur de la 250e place à la place de numéro 1 mondial, etc. Donc pas mal d'options. On pouvait jouer aussi en double, etc. Donc voilà, une bonne alternative entre les deux grosses licences, Virtua Tennis et Top Spin. Alors passons désormais maintenant au premier Top Spin de ces anciens jeux, on va dire, avec Top Spin 3. Et on va clôturer donc ce flashback des anciens jeux de tennis qui m'ont remarqué avec enfin un Top Spin, c'est-à-dire le Top Spin 3, qui était sorti donc du coup sur 360, PS3, Wii et DS en 2009, et c'était développé par le studio créateur, c'est-à-dire PAM, studio français, hein, rappelez-vous. Alors là, pour le coup, on va oublier tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire l'arcade des Virtua Tennis, on va rentrer dans la simulation pure des Top Spin. Alors déjà, il y avait pas mal de choix de joueurs à l'époque. On est en 2009, hein. Andy Murray, Federer, Nadal, Tomias, Gaël Monfils, Philippe Poussis, on avait même des légendes comme Monica Seles, Björn Borg, donc c'était plutôt cool. Voilà, donc pas mal de choix déjà, donc ça c'était un bon point. On avait pas mal de cours, bon, on va se refaire un petit fédal, hein, pour changer. Mais voilà, pas mal de cours sous licence, enfin Roland-Garros, Melbourne, Australian Open, US Open. Alors on n'avait pas Wimbledon, on avait Dublin-Irlande. On va faire du coup ce petit match dessus. Regardez, on avait même le Paris-Bercy. Franchement, on avait pas mal de cours, donc c'était excellent. On avait la fameuse Top Spin School pour apprendre à manier vraiment, parce que comme je vous ai dit, on est loin de l'arcade de Virtua Tennis. Là, il va falloir taper au bon moment, il va falloir construire les points, c'est de la simulation pure et dure. Alors graphiquement, par contre, un petit cran en dessous quand même des Virtua Tennis. Mais vous allez me dire, c'est pas le plus important dans un jeu de tennis. On va le voir donc tout à l'heure, nous aussi avec Top Spin 2K25. Hein. Les graphismes n'étant pas forcément le plus important dans ce genre de jeu. Et regardez, alors tout de suite, la physique de la balle, c'est beaucoup plus lent, hein, forcément. Il faut construire, il faut être patient. Et moi, je me rappelle, sur Tour 60, ben, j'avais bien kiffé. Autant, j'avais pas fait le 4 quelques années plus tard, en 2011, hein, sur la même génération de consoles, 360 PS3. Mais franchement, ouais, ça reste valeur sûre, ce Top Spin 3. Hein. Un avant-goût de ce qu'on va voir dans quelques minutes avec le Top Spin 2K25. Allez hop, on se retrouve tout de suite. Et oui, que des excellents souvenirs quand même, tous ces jeux de tennis, hein, que ce soit les anciens Virtua Tennis, les anciens Top Spin, Super Tennis sur Super Nintendo, et encore, hein, je n'ai même pas parlé de Mario Tennis sur les consoles Nintendo, qui ont grandement marqué les esprits durant toutes ces années 90-2000. Non, franchement, on en a eu pour notre argent, hein, quand même, durant toutes ces années. Bref, passons désormais à Top Spin 2K25, donc dans sa version PS5 que j'ai acheté tout récemment. On va découvrir le jeu ensemble. Alors, j'ai eu quelques échos, notamment la mauvaise nouvelle avec l'absence provisoire du double sur le jeu en ligne. Alors ça, franchement, c'était la douche froide. Parce que le jeu en ligne, notamment le double, on l'a vu avec Virtua Tennis 3 il y a une quinzaine d'années en arrière, c'était juste monumental. Et franchement, ne pas l'avoir tout de suite, franchement, ça fout les boules. Alors j'espère que ça va arriver dans les prochaines semaines ou prochains mois, mais faites vite. Honnêtement, faites vite. Bref, on va découvrir ce jeu ensemble et on se retrouvera évidemment après pour un petit débrief. Allez, c'est parti. Mais on se retrouve donc sur ce fameux menu principal de Top Spin 2K25. Donc, je rappelle, sorti sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC. Et c'est un jeu crossplay. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour commencer. Alors, on va se faire vite fait le tour du proprio, hein, sur ce menu principal. Alors déjà, c'est recommandé effectivement d'aller à l'académie Top Spin, la Top Spin School, hein, l'ancienne, avec John McEnroe dans les commentaires, qui va vous apprendre à jouer à ce jeu correctement. Je le rappelle, accès quand même simulation. On peut jouer du coup, bon, local, hein, solo, avec le fameux mode carrière, comme tout bon jeu de tennis depuis 20 ans. Hein, les modes carrière, ça a toujours été, quoi. Donc on va pouvoir créer notre personnage de A à Z, lui acheter des raquettes, changer les cordages, changer les tenues, etc. Donc franchement, là, on va se régaler. On peut faire des exhibitions, évidemment, avec des joueurs professionnels, des stars. On va voir ça tout de suite. Et évidemment, le jeu en ligne qui va prendre toute son importance dans les mois à venir. Parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas encore complètement au point. On va voir ça, donc, j'espère, dans les prochains mois. J'ai pu faire un match en ligne, en tout cas, et ça marche plutôt bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On peut faire, donc, du coup, des exhibitions, mais aussi le circuit international avec des classements, etc. Et je rappelle, le double va arriver dans les prochaines semaines. Voilà, alors on va se faire une petite exhibition en simple.
Alors, le double aussi est accessible, hein, y a pas de souci. Avec, voici donc le choix des joueurs. Alors oui, je sais que ça a gueulé parce qu'il y a beaucoup d'absents. Alors évidemment, il y a Roger, Serena Williams, je suis plutôt content, hein, Roger en plus il est retraité, mais bon, pour le coup, je suis content de le retrouver parce que je suis un fan absolu de ce joueur. On a Carlos Alcaraz, Zviatek, Medvedev, Taylor Fritz, Coco Gauff, Berrettini, bon, ça c'est plutôt cool, Raducanu, Tiafoe, Pliskova, ouais, alors Naomi Osaka, ça c'est plutôt cool, Andy Murray, mais là je commence un petit peu à rigoler quand je vois la modélisation de certains visages, c'est un peu chaud, voilà, Madison Keys, ok, alors il y a des légendes, hein, André Agassi notamment, vous en avez qui, alors Steffi Graf, ça c'est cool, Maria Sharapova, John McEnroe, pas de souci, Pete Sampras, puis voilà, on se tourne avec Ben Shelton, Leila Fernandez, Bencic et Swan Stephens, d'accord, alors... C'est vrai que la modélisation de certains joueurs et joueuses, alors notamment, regardez, Pete Sampras, la tronche, ou encore Andy Murray, c'est du niveau, honnêtement, c'est du niveau de fin de PS2, début de PS3. Honnêtement, c'est abusé, mais on va pas leur en vouloir pour le coup, parce qu'ils ont pas eu le budget qu'il fallait. Je pense pour avoir des graphismes, on va parler des graphismes, hein, de toute façon, hein, des graphismes très très poussés, mais le plus important reste le gameplay, je le rappelle, on va le voir ça tout de suite après. Évidemment, plein d'absents, Djokovic, où est le numéro 1 mondial, où est Rafael Nadal, où est Zverev, Tsitsipas, et j'en passe de tous les joueurs du circuit. Mais bon, voilà, honnêtement, c'est pas le plus important dans un jeu de tennis. Ça va venir par la suite. Là, en gros, c'est un bon d'essai. Ils sont là en mode, on va observer si le jeu se vend bien, si les gens ont envie de jouer à ce jeu. Et là, après, il y a tout qui va dérouler, évidemment. Allez, on va se faire un petit Roger Pete Sampras, match de légende, mes deux persos préférés, mes deux joueurs préférés, hein. Notamment Pete Sampras avec ses slam dunks là dans les années 90, c'était terrible. Et on va se faire ça à Wimbledon. Alors, pour le coup, énormément de cours à Indian Wells, US Open, tout est sous licence. Donc, ça, c'est vraiment cool. Pas mal de choses à débloquer. Hein. Évidemment, c'est une vidéo découverte. Hein, donc, je n'ai pas encore tout débloqué, évidemment. Alors, du coup, on va aller à Wimbledon. Parce qu'en plus, il y a eu un Federer Sampras en 2003. Rappelez-vous la victoire mythique de Roger sur Pete Sampras. Son idole, même à l'époque, il me semble. Alors. On va passer tout de suite, du coup, au graphisme. Parce qu'on a entendu plein de choses, qu'effectivement, c'est plus un Top Spin 4 remaster qu'autre chose. Mais quand même, l'ambiance sonore, l'ambiance, surtout la manette en main, je vais en parler tout de suite, c'est réussi. Il y a les arbitres, enfin les juges de ligne, les ramasseurs de balles, le public, il est là. Là-dessus, c'est réussi. D'ailleurs, les cours sont très bien faits. Le filet, tout ça, voilà. C'est quand même un bon cran au-dessus de ce qu'on avait sur PS4, sur PS3, pardonnez-moi. Avec Top Spin 4, il y a à peu près 13 ans de ça. Et donc, alors, je me suis mis en difficile pour le coup. Et allons dans le vif du sujet, c'est-à-dire le gameplay. Parce que le gameplay, c'est juste un régal. C'est un régal. Donc, du coup, il faut se céder de cette jauge et lâcher, en gros, le bouton. Au moment où la jauge arrive dans la petite zone verte. Et pour le coup, c'est superbement réussi. Alors, mention à la DualSense, la manette de la PS5, qui fait le taf. Mais franchement, c'est un régal absolu de jouer avec cette manette. Parce que les vibrations, le petit haut-parleur, justement, qui envoie les petits cris, les bruits de la balle et tout, c'est génial. Tout est vraiment bien précis. Donc, je mets vraiment un gros point positif sur le gameplay. Là-dessus, et c'est le plus important hein, dans le tennis, hein, clairement. Hein, c'est pas les graphismes ou parce que Djokovic, il est pas là ou blabla. Honnêtement, c'est le gameplay. Et honnêtement, dans les mois à venir, je me vois faire tous les soirs un petit match online avec mon petit joueur là et tout. Franchement, c'est un régal. Donc, gros point positif sur le gameplay. Le contenu, donc, vous l'avez vu, on a pas mal de cours, on a le mode carrière qui va se développer, l'online, n'en parlons pas, le double qui va arriver et tout. Franchement, c'est un régal. Rien à dire. Et honnêtement, je kiffe depuis là ce matin, là, que j'ai acheté le jeu en Day One. Alors, pour le coup, je le rappelle, à Day One, il est à 50 balles, hein, 50 euros hein, chez Leclerc, Auchan, dans les grandes surfaces. Donc, honnêtement, ouais. J'ai pas dire, j'ai joué à peine quoi, 2-3 heures, mais en mode découverte. Mais
je vous le recommande quelque part parce que. Oh putain, le coup qu'il m'a mis! Je vous le recommande parce que si vous avez kiffé les anciens Top Spin, honnêtement, là, celui-là, il est bien au-dessus de Top Spin Can de ce que je vois là tout de suite. Hein, en tout cas. Donc 50 euros, il vaut le coup. Alors peut-être pas 80, je suis d'accord. Mais ne tardez pas, les gars. Si vous hésitez, ne tardez pas. Allez, on va se faire petit. Ah, faute. Puis voilà, alors les langues aussi changent selon les pays dans lesquels on est. Bon, je vais me dire rien de nouveau, Virtua Tennis le faisait en l'an 2000 déjà, mais quand même, voilà, faut pas perdre le truc, quoi. Et puis alors, toujours un panel de coups excellent, les lifts, coup droit, revers, les lobes. Regardez, je vais essayer de lancer un petit lob parce que Sampras, ah putain, elle sort. Sampras, il nous fait des montées à la volée dans les années 90, là. Mais quel régal, franchement, mais quel régal en termes de gameplay, bordel. Je vais pas le dire 10 fois non plus, mais j'insiste sur le point le plus important du jeu. Voilà. Ouh, ah, et on fait pas mal de fautes aussi. C'est pas forcément. Voilà, c'est pas un jeu arcade. On n'est pas dans Virtua Tennis, etc. Allez, on finit ce point et on passe tout de suite au petit débrief. Allez, le petit lob. On l'enchaîne. Monte. Oh là 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 là. Allez, on se retrouve tout de suite pour le débrief. De retour pour le petit débrief. Alors honnêtement, après quelques heures passées sur ce jeu en mode découverte depuis ce matin, je ne sors presque que du positif. Alors oui, vous allez me dire que les graphismes, que la modélisation de certains joueurs laissent vraiment à désirer, qu'on est au niveau 360 PS3. Ok, il n'y a pas de souci, mais ils n'ont pas donné le budget nécessaire pour avoir des graphismes grandeur nature, etc. Mais honnêtement, est-ce qu'on joue à un jeu de tennis pour regarder la tronche des mecs? Non, il faut être franc. Le plus important reste le gameplay, et là-dessus, c'est un 10 sur 10, c'est rien à dire. Manette en main, je vous le dis, ça n'a rien à voir avec le Top Spin 4 de la PS3 de l'époque, avec la 6-6 notamment. C'est ça qui fait toute la différence. On a une durée de vie illimitée pour un jeu de sport, le mode carrière, notre propre joueur qu'on va pouvoir faire évoluer sur le jeu en ligne, le double qui va arriver dans quelques semaines, honnêtement ça va être un kiff absolu, je le répète. Ça fait plaisir de retrouver un Top Spin 5, moi qui étais un gros gros fan des Virtua Tennis, vous l'avez vu tout à l'heure, hein. On avait passé des super moments sur le 1, le 2, le 3 à l'époque, mais là ce Top Spin 5, j'espère qu'il va rentrer dans mon top jeu de tennis de ma vie gamer, quoi. Honnêtement c'est bien parti, parce que là j'ai... Je vous dis, c'était vraiment le kiff depuis ce matin, là. Je ne lâche pas. Voilà. Je vous le recommande, hein. Franchement, je vous recommande ce jeu de tennis. Si vous avez kiffé les Virtua Tennis, les anciens Top Spin, franchement, allez-y, foncez. En plus, là, il y a des One à 50 balles cette semaine dans les grandes surfaces. Franchement, allez-y, foncez. Je pense que vous n'allez pas le regretter. Et puis, bah, pour le mot de la fin, une petite dédicace aussi à mon club de tennis, le SHA Grandange, où on passe toujours des super moments. Donc, dédicace à tout le monde, au comité, aux joueurs, aux joueuses, à tous les potes du club, ça fait toujours plaisir. J'espère qu'on se retrouve en tout cas sur une prochaine vidéo, que vous allez kiffer ce Top Spin 5, et on se retrouve prochainement sur une prochaine vidéo. Allez, ciao!